Salut Séan! Ouais, voici Captain Flair, plus connu sur le nom de champion même si on se retrouve pour une nouvelle voiture sur Ni no Kuni 2, la 12e vidéo. Et oui, cette fois-ci, je suis le moi-même, qui est seulement en février. Pour le mois de février. Ouais. Juste avant de commencer, j'aimerais ça vous parler de deux choses. Inquiétez-vous pas, ça sera pas trop long. La première chose est que la légende du Capitaine Fleur de Lys, la dernière vidéo, vidéo 5, est la 400e vidéo. Et pour cela, je me suis donné un défi de faire 500. Que j'atteigne les 500 vidéos pour les 5 ans de la chaîne. Que je veux dire, je vais essayer de faire pas mal de vidéos par mois. Au moins, disons, environ, j'ai calculé minimum 12 vidéos par mois. On va essayer. C'est un objectif que je me lance. Malgré le temps que j'ai, je vais essayer. Là, peut-être je vais recommencer une vidéo 3 jours. La vidéo aussi, émission de Teletoon de 1987 à 1998, n'est pas comptée comme la 400e parce que je l'ai remis. Désolé si vous l'avez déjà écouté, au pire, réécoutez-le pour refaire monter le nombre de vues, mais qui était quand même à 76 avant que je me fasse bloquer la vidéo à cause de droits d'auteur. Puis droits d'auteur, c'est bloqué dans le monde entier. Pas une, deux vidéos. Prochaine étape là, c'est je coupe tout simplement, c'est ou je mets juste l'audio puis pas la vidéo, parce que sinon là, genre, je m'en sortirai jamais de ça, du droit d'auteur. Je me suis arrangé d'une certaine façon pour contrer le tout, mais j'espère que ça va avoir un effet positif. C'est sûr qu'il y a une journée d'intervalle pour les deux dernières vidéos, mais ça c'est l'autre vidéo de émission. C'est juste parce qu'il était déjà publié, il fallait que je le republie. J'avais comme pas le choix. Mais là, je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos pour atteindre mon objectif. Puis en plus, pourquoi je filme vu que je filme Ni no Kuni, j'ai retrouvé mon ordinateur. Pendant un mois, j'avais pas mon ordinateur parce que c'est ça. Maintenant, j'ai mon ordinateur, c'est parfait. Je suis bien content. Mais dans la dernière vidéo, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons on est à la bibliothèque, c'est quasiment juste ce qu'on a fait, dans le fond. Mais, la plus grosse affaire qu'on a... La chose la plus importante que nous avons faite, c'est tout simplement le traité de Donovan. Un peu comme... Donovan, c'est un peu comme Olivier dans le 1, mais c'est comme... la même affaire, c'est comme dans le 1, mais sans référencé au 1 sans être référencé. J'ai mieux dit ce genre de rien du tout. Bon, là, faut que j'aille par là-bas, celle-là. Probablement, il faut aller à la ville de Nautilia. Merci. Non. Bon, ok, c'est vrai, pire ça. Mais toujours de la misère. Oh.
Un point de téléportation. Oh! Non, mais fuck! Il reste quelqu'un. Nautilia, enfin arrivé. Vous avez vu le dernier combo. Ça, c'est pas évident. Un autre point de téléportation. Ah, c'est lui qu'il faut aller voir, j'imagine. Oh, jeune gens. Vous êtes bien les personnes du royaume d'Espérance envoyées par le grand Mintoutou, hein? C'est bien cela. Je suis Evan, le roi d'Espérance. Enchanté de vous rencontrer. Le roi? Veuillez pardonner mon impolitesse, votre altesse. Mon nom est Geppetto. Je suis le chef des constructeurs du navire de Nautilia. Un fond de là c'est juste ça. En train de temps. Juste un gros, c'est tout. Le grand Mintoutou m'a tout expliqué. J'aimerais vous aider, mais nous avons quelques soucis en ce moment. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh ben, en vérité, un monstre féroce est apparu en mer il y a quelques jours. Il coule nos navires, saccage nos zones de pêche. Une vraie catastrophe. Plusieurs de nos jeunes sont partis malgré le danger pour tenter d'abattre le monstre, mais aucun n'en est revenu pour l'instant. Et il serait bien trop ardu pour une seule personne d'aller les secourir.
Voilà donc pourquoi le port paraît si désert. Devan, ce serait plus facile pour nous de leur demander un navire si on les aidait, tu ne crois pas? Oui, tu as pas tort, mais quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas laisser ces personnes à leur triste sort. Nous allons voir ce qu'on peut faire, Monsieur Gepetto. Oh, merci infiniment, Votre Altesse. La bête se terre dans une grotte près d'ici. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave à nos gaillards. En tout cas, redoublez de prudence et restez vigilants. Ce monstre est assez fort pour abattre un navire d'un seul coup. Yes, cure. J'ai comme 26 minutes d'enregistrement, mais... pas 26 minutes au total. Alors, nous allons combattre ce monstre des mers. Probablement, il faut aller de ce côté pour pouvoir accéder au monstre. Oh. Les navires en construction. Là, on peut voir accès comment à ce coffre là. Oh, il y a un coffre là, j'avais même pas vu. Du florin. Oh, 800 florins. Oh, intéressant. Du yogourt nature, c'est tellement bon. Il y en a qui vont me dire le contraire, ah, qu'il n'y a pas de goût, c'est dégueulasse ça, mais moi je trouve ça bon. Midi perle. Oh, on au début c'est trèfle, mais là c'est perle. Puis l'éviter. Oui, c'est il me voit. Ah! Tant pis. Nous avons passé trop tard. J'espère que c'était pas trop tard. Oh! Alors, voir ça, puis donner équipement. C'est lui qui a ça. Voilà. Oh, il y en a des bébés! C'est pas évident. Je vous avoue, le c'est pas évident. Oh ouais. On va le combattre.
Mon ami, tu sais ça. Grotte, tu calmes. Oui! C'est tellement une bonne idée. J'aurais tellement pas survécu sinon. Y'a pas un feu. Ils ne sont quand même pas... fait boulter par le monstre. Hey, regarde cette stèle. Quelque chose y est accroché. Ah oui. Tu vois là, on devrait inspecter ça de plus près. Qu'est-ce qu'on va voir? Le oh. Ben ouais. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de cocon, à moins que ce soit un œuf. N'amuse pas qu'il y a quelque chose dedans. Non, ça veut dire que tous ceux qui sont collés au mur contiennent aussi des gens. Oh shit. Y'en a tombé là. Ça fait presque peur. Faudrait peut-être mieux vite les sortir de là avant qu'ils étoffent. Non. Je crois bien que nous ne sommes pas seuls. Mais c'est quoi ce machin truc là? Une pierre. Un correctif. Yeah.
Vite, sortons les prisonniers de leur cocon. J'ai perdu ses vannes. Fois, j'ai cru que j'étais la fin pour que c'est galère. J'ai cru que c'était la fin pour moi. Merci de m'avoir sauvé. Tout en béquille. Vous êtes vraiment balèze pour avoir abattu une telle bestiole. Dire qu'on était toute venue pour lui faire la peau. Haha, c'est moi qui l'ai eu. Après trop coup, je suis heureux de voir que vous êtes toutes sains et saufs. Monsieur Geppetto se fait un sang d'encre pour vous. Ah! Je suis heureux de voir que vous êtes toutes sains et saufs. Monsieur Geppetto se fait un sang d'encre pour vous. J'ai regardé pas pour ça. Ouais, on ferait mieux de vite rentrer dans pour le restaurer. Bon, on part devant, on se retrouvera au port à la fouillure. Nous ferons mieux de rentrer nous aussi. Ben vous avouez que ça peut être vite, hein. Mais la stratégie et la solution. Grâce à vous, nos jeunes sont revenus sains et saufs. Je ne sais comment vous remercier. Scamin, c'est pas n'importe qui, patron. Il a battu la bestiole alors que nous étions même pas de taille face à elle. À mort! Surveille ton langage! Il s'agit de Son Altesse Evan, le souverain du roi d'Espérance. Oh, oh! Ce gamin, c'est un sang bleu. Il rigole pas pour un petit jeune. Puis-ce bien la première fois que j'entends parler d'un roi qui vient dans un tel patelin pour aider des gens qui sont même pas de son royaume? En réalité, nous sommes venus pour retrouver quelqu'un pour nous fabriquer un bateau. Pouah! D'accord, tout s'explique et dans ce cas, je peux vous aider. C'est quoi que vous voulez? Une barque? Un voilier? Il nous faudrait un grand navire et solide pour naviguer à travers le monde. Cela, Selakan sera notre première escale. Pouah, découvrir le monde. Ce qui est du baveux, lui. Désolé, j'aimerais vraiment pouvoir vous aider, mais avec les matériaux qu'on a ici, ça va pas être possible. Si vous voulez un bateau qui résiste à toutes les vagues, il me faudrait du bois dur comme de l'acier. Je vois. Peut-être que Maître Nir pourrait nous conseiller. Ah, vous savez où en trouver. Dans ce cas, venez me voir quand vous êtes sûr.
Toutes les gens du village feront leur possible pour vous remercier de les avoir sauvés. Bon, j'ai la conviction qu'il faut se rendre. Oh, Espérance. Oh, bah oui! Il y a un jeu Espérance maintenant. Ah, j'ai oublié. J'avoue, j'oubliais ce petit détail. J'ai espérance. Mais là, ça va être tout pour aujourd'hui. Ah, faut même aller là. En plus. Je vais peut-être faire un petit tour au trône pour récupérer l'argent. Eh oui. Oh, presque 2000. Aïf. Mais bon, là, voilà. Les sorts du royaume. J'ai 7570. Bon, est-ce que je pourrais acheter quelques petites affaires? Terrain vert. C'est vrai, ça. Marché. Marché aux poissons. Magasin de magie. Ça coûte combien? 200. Et je vais le construire. Comme ça, elle va pouvoir aller là. Assigner, je ne sais plus chez qui. Ah, c'est exactement elle. C'est une spécialiste. Oh, ouais, ça, c'est le fun. Est-ce qu'il y a ça, vous connaissez-elle? Ouais. Oh, il a signé. Comme ça, moins de personnes. Autour de la salle du trône. Comme ça, moins de personnes. Devant le château. On va aller voir Maître Andy dans la prochaine vidéo. J'écoute en même temps. Je sais même pas combien de temps ça va durer cette vidéo. Ça peut peut-être durer juste 20 minutes. Je sais pas. En même temps. Ok, après ça, j'y vais, puis après ça, on se laissera. Un bois dur comme de l'acier pour construire un bateau. Le bois d'arbre fer, il y a bien. Dans les bois éternels au fond de ma forêt, vous en trouverez. Merci. Allons en chercher. Bye. Mais un problème tout de même, il y a. Bless. Près de César, une terrible créature habite en condamné le chemin a toujours été. Mais si nous battons cette créature, nous pourrons récupérer le bois sans problème, n'est-ce pas? Aucun problème, je n'y vois. Avant que vous partiez, prenez ceci. Et que ça vous a donné un spray antipique. Hein? C'est un élixir magique. Tout ce qui a des pics, il fait disparaître en un instant. Pour bloquer le chemin des châtaignes fantomatiques ont été déposés grâce à ce produit. Les faire disparaître, vous pourrez. Un élixir qui fait disparaître instantanément les objets pointus instantanément. Thank you. Merci Maître Nier. Voilà, allons vite nous y rendre. Mais cette fois-ci, dans la prochaine vidéo, ça c'est vrai cette fois-ci.
Ah, pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Finalement, ça n'a pas été long. Fallait bien que je le fasse là. N'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dans le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est le bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Ni no Kuni 2. La série à laquelle j'ai ça toujours à la suite. Mais cette fois-ci, la prochaine vidéo, c'est... va se faire, je ne sais trop quand. Mais comme que j'ai dit, je vais m'arranger de faire le plus vite possible, le plus de vidéos possible. Alors, je vais essayer de me faire un horaire, du moins pour l'instant. Là. On va commencer au moins l'horaire pour le mois de mars. Le mois de février ne sera pas garanti, mais le mois de mars, le mois de février, oui, il va y avoir des vidéos. Mais je ne ferai je ferai pas l'horreur pour le mois de février. Je vais faire l'horreur pour le mois suivant, le mois de mars. Faudrait venir admirer le château. À part ça, je vous dis merci à tous.